Le téléphérique de la Grande Motte, version cabriolet. À plus de 3000 mètres d'altitude, cette toiture terrasse fait la fierté de la station. Elle transportera ses premiers visiteurs en juin 2019. On est parti d'un constat assez simple. Aujourd'hui, le marché du ski en France est un marché assez mature. Nous, on tigne à une particularité, puisque à l'époque, on exploitait 365 jours par an. Les périodes d'exploitation se sont réduites et vont encore se réduire un petit peu liées au réchauffement climatique. Nous, on le vit au quotidien, c'est quelque chose d'indéniable. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut développer pour accueillir des visiteurs qui ne sont pas forcément des skieurs et leur faire découvrir finalement l'environnement dans lequel on travaille, qui est juste extraordinaire. C'est la première étape d'un vaste projet baptisé Altitude Expérience, un parcours dédié à la clientèle estivale. Tables d'orientation et passerelles seront installées sur la terrasse d'arrivée du funiculaire avec une ambition pédagogique. On perçoit mieux et on enregistre mieux l'information quand elle est liée à une émotion, d'où l'idée de mettre une passerelle juste à ma gauche, là, qui va permettre de mettre les gens dans le vide, entre guillemets, via un surplomb, et de leur passer de l'information sous forme de panneaux pédagogiques qui seront sûrement liés au GPAET à cet endroit-là. Particularité, le glacier de la Grande Motte est situé au cœur du parc national de la Vanoise, partenaire de ce projet inédit qui promet de mêler économie touristique et protection de l'environnement. On est sur un des derniers glaciers de la Vanoise, glacier qui subit de manière extrêmement importante les effets du changement climatique. Donc de fait, on souhaitait vraiment parler du changement climatique. On souhaitait aussi parler de toutes les espèces. Finalement, un skieur qui arrive là n'a pas forcément d'informations sur où il se situe. Il est au cœur d'un espace qui protège un très grand nombre d'espèces, et notamment le gypaète barbu. Symbole de cet espace fragile, le glacier perd 2 mètres d'épaisseur chaque année. Faute de neige, l'ouverture du domaine skiable prévue samedi a été repoussée à une date ultérieure.